Ronin Kembe est le nouveau roi du tournoi SSO d'élite by Linkpool. La troisième édition mensuelle de cette compétition s'est jouée le week-end dernier comme de coutume. La compétition cette fois-ci a été hyper élevée. Nous avons enregistré la participation de Abbas Younes qui a accéléré le jeu et la plupart des joueurs classés ont été à leur meilleur niveau. Donc on est extrêmement satisfait parce que toutes les équipes ou presque ont été représentées et se sont plutôt bien illustrées. Le double vainqueur Henri Dipoko Kalmar a perdu son sacre en demi-finale face au jeune Tabet Zinchem. Ce dernier s'est vu écarté à son tour en demi-finale par Ronin Kembe. Vraiment, cette troisième édition de SSO Elite, j'ai participé depuis hier, mais je n'étais pas très en forme. Donc, du coup, je suis retrouvé en train de perdre. Dans l'autre demi-finale, Sandy Francis a fait difficilement plier les Chines au redoutable et spectaculaire Abbas de Liban Kam. On a donc eu droit à l'opium de Bounamou Sadi à une finale 100% de joueurs de Linkpool Bia Association, le club le mieux structuré et ambitieux du championnat national. Le trophée va donc revenir au finish à Ronin Kembe qui s'est aisément débarrassé de son coéquipier Sandy Francis. Je suis très content d'avoir remporté cette troisième édition de Linkpool SSO. Je suis très content de mon parcours. C'est vrai, les deux premières éditions, je reconnais, je n'étais pas vraiment au top. Depuis ces trois derniers mois, je suis vraiment en forme. Le tournoi SSO d'Elite by Linkpool est encadré, faut-il le signaler, par la Fédération Camerounaise de billard, représentée par la sous-commission en charge des compétitions. Celle-ci rentre par ailleurs dans la préparation du tournoi d'Afrique de billard prévu au Maroc en cette fin du mois.